Et on m'avait dit qu'elle était à 10h, mais apparemment elle est bien mise à 10h30. Donc je peux maintenir le cours de 9h à 10h. Aujourd'hui, pardon, on va parler de la grosse compétence qui nous manque avant de parler des lois de référence. C'est le seul truc qu'on n'a pas encore fait sur les variables à densité. C'est faire ce qu'on appelle un transfert de loi. Donc un transfert de loi, c'est ce qu'on fait déjà pas mal de fois en variables discrètes. Typiquement, un exo classique qu'on avait fait en début d'année, c'était on avait fait un jeu qui était équitable ou pas équitable. Et par exemple, je veux dire n'importe quoi, même là on peut le refaire, une expérience où je fais un lancer de pièces et je compte le rang d'apparition du premier pile par exemple. Donc ça me donnerait que x est une variable géométrique de paramètre 1,5 si la pièce est équilibrée. Et ensuite, je vais dire, bah, si le rang d'apparition d'un pile est impair, je perds 1 euro, et s'il est pair, je gagne 1 euro. Ce qui veut dire que mon gain devient moins 1 puissance x, tout simplement. C'est une variable aléatoire, mon gain, et il vaut moins 1 puissance x. Et donc, on peut poser des questions, on le sait déjà en variable discrète, sur quelle est la loi de g si je connais déjà la loi de x. Ah, bonjour Camélia, bonjour Alexis. Merci de me prévenir, Pauline. Donc ça, c'est ce qu'on fait en loi en variable discrète. On peut faire à peu près la même chose en variable à densité. Tout dans ce cas-là, il y a une seule chose à savoir, c'est qu'il faut repasser impérativement par la fonction de répartition. Si vous avez ça en tête, on va pouvoir faire des transferts de loi sans trop de difficultés. Faisons un exemple simple pour commencer. C'est l'équivalent de l'exercice 5 du poly. Alors l'exercice 5 du poly commence en écrivant soit x une variable qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc moi je vais modifier cet énoncé de poly en vous disant soit x une variable. On va utiliser ce qu'il nous faut pour la loi exponentielle, vu que c'est une loi de référence qu'on va apprendre plus tard. Soit x une variable à densité, on va déjà admettre que x est à densité, de fonction de répartition, qui est celle-ci. On va la noter fx de x. C'est tout simplement 0 si x est négatif, strictement. On va choisir de mettre le 0 par là. Et c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est positif ou nul. Donc ça, pour votre info, on le reverra plus tard, on fera des dessins plus tard. Mais si je devais tracer cette chose, c'est juste une fonction fx qui est nulle dans les négatives. Voilà. Et qui d'un seul coup fait une rupture de pente et fait ça. Et monte tranquillement comme une exponentielle négative, en fait, un peu le graphe inversé d'une exponentielle négative, mais à l'envers 1, à cause du 1 moins. Voilà ce que ça fait. Donc on se donne une variable x qui suit cette variable qui est une variable à densité et qui a ces propriétés-là. Et ce qu'on veut déterminer dans cet exercice, et on fera des choses après autour, c'est déterminer entre guillemets quelle est la loi de y, et y ça va être la variable moins 2x plus 1. Donc c'est une question, comment peut-on déterminer la loi de y qui vaut moins 2x plus 1? Donc c'est ce qui est mis dans cet exercice. Toujours, il y a une seule chose à savoir et à faire pour cette compétence, elle va être compliquée et difficile, c'est la plus riche entre guillemets de ce chapitre. Il faut revenir à la fonction de répartition. C'est d'ailleurs la première question du sujet. C'est calculer la fonction de répartition fy de x. Et ça, bon, je pense que je vous ai assez largement entraîné quand la fonction va être bijective et simple comme celle-ci. Ici, c'est clairement une fonction strictement décroissante, donc bijective entre guillemets. Elle est simple, elle est facile à manipuler cette fonction. L'idée, c'est donc de déterminer cette fonction de répartition en faisant en fait une amorce pour essayer de revenir à x, tout simplement. Enfin, une amorce ou réinverser les inégalités pour réisoler x à partir de ce qu'on a. Alors, je vais quand même embêter quelqu'un là-dessus. 17, c'est qui est en numéro 17 ici? On perd du monde à chaque jour, dis donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
13, 14, 15, 16, 17. Kélian, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la définition de fy de x pour pouvoir commencer les calculs? Kéliane de connecter, mais j'ai pas de nouvelles. Très bien, bah on va avancer quand même, hein, c'est pas très très grave. Est-ce que quelqu'un sait comment, par quoi je commence quand je veux calculer ça? Je veux revenir à la définition, tout simplement. Non, ça c'est une caractérisation si tu veux me parler de continuité, etc. On l'a même pas l'expression de cette fonction, comment veux-tu montrer qu'elle est continue? C'est toujours le même problème avec vous, hein. Je vous demande d'apprendre des définitions, et la définition, ça parle pas du tout de continuité. Ça c'est la caractérisation pour prouver que c'est une variable c'est une fonction de répartition liée à une variable à densité. Comment je l'ai tracé ce graphe? J'ai fait le graphe de la fonction ou il a un autre sens ce graphe? Avant même de parler de variable à densité, j'ai tracé des graphes de fonctions de répartition, hein, je pense, dans le cours la semaine dernière. Personne ne peut me dire la définition de ce que c'est qu'une fonction de répartition. Waouh! Eh ben, dis donc. Héloïse! C'est l'intégrale entre moins l'infini et x de f de t dt. Alors, je suis pas d'accord tant qu'on ne sait pas que y est à densité. Et pour le moment, on ne le sait pas. Donc ça, ce serait ça. Mais sinon, si elle est à densité, je suis d'accord. Ou là, je mettrais un petit fy pour dire que c'est sa densité. Mais ça, c'est vrai, vrai uniquement si on sait que c'est à densité. Et pour le moment, on ne le sait pas. Donc ce n'est toujours pas la définition. Faut remonter dans votre cours, hein, la définition d'une... Bah oui, voilà, je sais qui l'a mis. Ah, c'est Martin, du coup. Vu qu'il n'y a pas de nom, c'est Martin qui l'a rajouté. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. La définition de votre cours de c'est quoi la fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est la probabilité que y soit plus petit que x. Et c'est là où on peut parler d'amorce et où vous allez voir le lien. C'est que la probabilité de y plus petit que x, ça devient la probabilité que moins 2x plus 1 est plus petit que x. Donc voilà. Ça va pas être très 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 compliqué du moment qu'on a une fonction ici. C'est vraiment un premier cas simple ici, du moment qu'on a une fonction bijective simple qui peut se décomposer en étapes successives pour isoler x bijective. Il suffit de faire une amorce sur cette chose-là pour obtenir l'expression de fy par rapport à l'expression de fx qu'on a ici. Donc allons-y. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, en premier, je vais faire moins 1 des deux côtés. Ça va me faire la probabilité de moins 2x est plus petit que x moins 1. Ensuite, je vais multiplier tout ça par moins 1 demi. Attention à vos inégalités quand vous multipliez par un nombre négatif. Ça me fait du x supérieur à moins 1 demi de x moins 1. Alors, j'ai quasiment fini. J'ai bien réisolé x dans mes inégalités, sauf que moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est l'expliquer par rapport à la fonction de répartition de x. Comment je peux faire ça? Alors, avant, j'ai Maxence qui lève la main pour... t'as une question? Oui, c'est pas juste supérieur De quoi au lieu c'est... de supérieur ou égal. Comment ça, c'est pas juste supérieur au lieu de supérieur ou égal? Bah, vous avez mis à la fin x supérieur ou égal à moins 1/2 de x moins 1. Mais... Je travaille sur cette inégalité-là. Quelle opération aurait fait passer cette inégalité large à une égalité stricte? Je vois. Non, il n'y a aucune opération. Alors, on va en parler. Il y a quelque chose comme ça qui va poser un problème derrière. On va en parler juste après. Mais pour le moment, mes opérations n'ont pas transformé ça en inégalité stricte. Héloïse, t'as aussi une question ou c'est parce que t'as oublié de baisser la main?
Ah non, j'ai oublié le décimal. C'est pas grave. Donc on en est là. Là, la question maintenant, il reste une vraie question, c'est comment je fais le lien avec cette probabilité de x plus grand que moins 1 demi de x moins 1 et la fonction de répartition de x. Je rappelle que la fonction de répartition de x, exactement par la même définition qu'ici, la fonction de répartition de x, c'est en fait la probabilité de x plus petit que... Alors, je vais peut-être pas mettre la même x, je vais mettre peut-être une variable t ici, justement, pour qu'on comprenne que c'est... Il faut que je fasse un lien entre les événements qui s'écrivent comme ça et ceux-là. Qu'est-ce que je fais là? C'est un argument de probabilité, c'est pas un argument de fonction ou de d'amorce. Comment je transforme mon événement x plus grand que moins 1,5 fois x moins 1? À qui on va demander ça? 1, 2, 3, 4, 5. Baptiste. Comment on peut se ramener à des événements du type x plus petit que ici? Maxence. On fait A moi. Oui, on passe au D'accord. complémentaire, c'est exactement ça. Plus petit que 1 moins, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, Pauline, c'est exactement la même idée. On passe au complémentaire. Si vous passez au complémentaire, et c'est là où il va y avoir quelque chose de que tu disais juste avant, Maxence, c'est que le complémentaire de ça, c'est 1 moins la probabilité de x strictement plus petit que 1 moins 1 demi de x moins 1. Et c'est là, quand on passe au complémentaire, Maxence, et là je suis 100% d'accord avec toi, qu'il faut faire attention que l'inégalité large d'un côté devient une inégalité stricte. Alors le problème qu'on crée maintenant, c'est que la définition de fonction de répartition, comme je vous l'encadre là-bas en bas à gauche, ça fait intervenir une inégalité large. Et que là, en passant au complémentaire, je suis repassé aux inégalités strictes. Comment est-ce que je peux repasser d'un seul coup aux inégalités larges? Et qu'est-ce que je peux dire pour pouvoir le faire? C'est le dernier argument et on va avoir fini. Alors, j'avais qui en 4 en partant de la fin? 1, 2, 3, 4. Sana, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait conclure? Pourquoi on peut passer des inégalités strictes ici qu'on a, est-ce qu'on peut repasser à une inégalité large? Attendez, je vais réfléchir un peu. Ok. Indication qui va nous servir, mais en gros, moralement, l'événement x plus petit que n'importe quoi, ce nombre-là, si je l'appelle A, c'est bien l'événement x strictement plus petit que A, ou x égale A. Et là, le OU, il va devenir un E ou... Alors non, il ne va pas devenir un et, mais quand on va passer en probabilité, par contre, l'union des événements, puisque cette union est une union disjointe, ça va devenir une somme de probabilités. Sauf que moi, je ne vais pas aller le noter, ça. Parce que la probabilité de x plus petit que a, je suis d'accord que d'un point de vue parfaitement... factuel, ça devient ça avec ce qu'on a écrit. Mais moi, je vais pas l'écrire. Parce qu'il y a quelque chose à dire sur ça, Sana. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur cette quantité-là, puisqu'on a une variable à densité? Uniquement parce qu'on a une variable à densité. Attends, faut que j'aille encore. Parce que là tout de suite, je vois pas, mais... En termes d'intégrale, c'est quoi cette intégrale, autre façon de le dire, en termes d'intégrale, cette intégrale-là, enfin cet événement-là ou cet événement-là, quand on a une variable à densité, c'est quoi en termes d'intégrale, cette probabilité-là? De moins l'infini à x. De Alors ce qui la joue le fonction. rôle de x ici, c'est mon a. Donc ça fait moins l'infini à a de f de t dt par exemple. Du coup, ce serait quoi en termes d'intégrale l'événement probabilité de x égale a?
Ça change les bornes. Oui, en fait, les autres commencent à le voir. Je t'aide un tout petit peu, Sana. Ça ferait l'équivalent de l'intégrale de AA de f de TdT puisqu'elle est à densité. Et donc, c'est ce que disent Erwan, Alexis, Baptiste et Héloïse dans le chat. C'est que donc, puisque c'est une intégrale de AA de n'importe quelle fonction, puisqu'une intégrale c'est une surface, si je vais d'un point au même point, en gros, j'ai plus une surface. J'ai plus qu'un trait entre guillemets, et un trait, la surface d'un trait, c'est 0. Ah De d'accord, donc, ok. pour une variable à densité, on l'a déjà dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé une théorie complètement différente pour les variables à densité, c'est parce que on ne peut pas définir la loi d'une variable à densité par la liste des probabilités d'égalité, vu qu'elles sont toutes nulles. Donc, cette probabilité de x est égal à a, elle vaut 0 tout le temps quand x est à densité. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir de problème même quand on doit passer au complémentaire, et je vais effacer ça qui était juste une petite explication, parce qu'en fait on va juste dire que ça c'est exactement égal à 1 moins la probabilité de x plus petit que moins 1,5 de x moins 1, car x est à densité. Souvent ce que vous écrirez c'est juste ça, et moi je vous le rappelle, donc c'est juste, je vais l'écrire en probabilité de x égale moins 1,5 de x moins 1, c'est donc égal à 0. C'est ça que je suis en train d'écrire. Et donc on a quasiment fini puisque ça, en fait, ça devient juste du fx de moins 1,5 de x moins 1. Donc on a fy de x par rapport à la fonction fx. Alors on n'a pas tout à fait fini les calculs. Parce que je vais réécrire ce que c'est que. Je vais pouvoir tout effacer comme ça après tranquillement. Je vais juste réécrire ici que ça c'est fy de x. Mais on a fini ce que j'appelle le transfert de loi. Dès que vous avez obtenu un résultat comme ça, vous avez fini votre transfert de loi. C'est une partie qu'il faudra réfléchir. Quand la fonction est comme celle-ci, ça ne va pas nous poser beaucoup de problèmes. Il faudra juste regarder ce qui se passe derrière. Alors. Allons-y. Pourquoi on n'a pas fini les calculs? Parce que tout à l'heure, je vous ai écrit ça. Fx de x, ça vaut 0 si x est strictement négatif, et ça vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x positif. Donc encore une fois, fx ici est une fonction qui a deux expressions. Donc clairement, si cette fonction-ci a deux expressions, et si cette fonction-ci s'exprime par rapport à fx, la fonction fy, elle aura sûrement, sauf cas particulier, mais elle aura très certainement, elle aussi, deux expressions. Donc l'idée maintenant, c'est de voir quel calcul il faut faire pour essayer de voir quelle expression de fx on doit utiliser. Alors, donc on doit séparer en deux cas, puisque là on fait du fx de moins 1,5 de x moins 1. On doit séparer les cas où moins 1,5 de x moins 1 est négatif et les cas où c'est positif. Donc si moins 1,5 de x moins 1 est strictement négatif. Alors déjà, on va refaire une petite amorce dans l'autre sens ici. Ça, je vais le multiplier par moins 2, ce qui va me donner du x moins 1 strictement positif, ce qui va me donner du x plus grand que 1. Donc, cette quantité-là est négative quand x est plus grand que 1. Donc, pour tout x strictement supérieur à 1, fy de x, j'utilise l'expression. Tiens, je vais faire d'ailleurs un truc, je vais souligner ici en bleu, parce que c'est bien le cas où cette quantité est négative. Je soulignerai l'autre en vert pour tout à l'heure. Mais donc. J'utilise bien l'expression dans le cas bleu de la fonction fx, donc ça fait du 1 moins 0. Donc si x est plus grand que 1, en fait, la fonction de répartition de fy, ça fait 1. Et maintenant, l'autre contrainte, je vais la faire aussi, mais c'est à peu près évident vu que c'est la contraposée, entre guillemets. Si moins 1,5 de x moins 1 est positif, on peut la résoudre aussi, cette inégalité. En fait, il n'y a pas besoin de la résoudre. C'est le complémentaire de celle qui est là, donc c'est forcément tous les autres x.
Mais si je la résous, donc je multiplie encore une fois par moins 2, ce qui me donne du x moins 1 est négatif ou nul, ce qui me donne du x plus petit que 1. Donc je sais que dans ce cas-là, si je veux utiliser l'expression verte de fx, je suis dans le cas où x est plus petit que 1. Donc je vais me lancer dans les calculs là-haut. Et donc ça correspond au cas où x est plus petit que 1. Si x, pardon, si x inférieur ou égal à 1, on a donc fy de x qui est égal à 1 moins, et là je peux utiliser l'expression que j'avais en exponentielle moins lambda x, sauf que ce qui joue le rôle de x, c'est mon moins 1 demi de x moins 1. Voilà. Et donc ça me fait du exponentiel de lambda sur 2 x moins 1. Voilà l'expression de ma fonction f(y) si x est plus petit que 1. Au final, j'ai donc bien obtenu ma fonction de répartition qui fait tout simplement ceci, f(y) de x. Ça vaut exponentielle lambda sur 2 x moins 1 si x est plus petit que 1, et ça vaut 1 si x est strictement plus grand que 1. Et on a bien obtenu la fonction de répartition. Est-ce que ça vous va pour ce calcul? Là, on l'a mené en entier. Il y a vraiment un petit truc à comprendre, faudrait que vous le fassiez vous-même, que vous repreniez ça, et on va faire plein d'autres exemples tout le reste de la semaine, hein. C'est la compétence que je veux qu'on acquiert cette semaine. Mais voilà, ça va être la grosse compétence, faire un transfert de loi. Ça revient à faire ça. Une fois qu'on a obtenu la nouvelle fonction de répartition de la nouvelle loi, tout le reste des questions, on les a déjà traitées en fait. Parce que maintenant qu'on a la fonction de répartition de la nouvelle loi, les questions qui vont arriver derrière, même dans cet exo, dans tous les autres exos, c'est est-ce que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité? On sait déjà faire. Une fois qu'on aura prouvé que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité, en déterminer une densité, on sait déjà faire. Et autre question qui vont se poser derrière, c'est est-ce qu'on peut calculer des espérances ou des variances des nouvelles variables qu'on a fait par transfert? Donc c'est vraiment le cœur et la grosse compétence des exercices de concours. Si je vous rajoute ça, maintenant je peux vous donner 90% de tous les exos de concours sur les variables à densité. Du moment qu'on. Enfin, il faudrait quand même que là, par exemple, c'est mon exercice commencé par c'est une loi exponentielle, du moment qu'on connaît nos lois de référence. Mais là, on va déjà parler aujourd'hui, et on va voir de pour tout le temps qu'on a, on va déjà parler de transfert et faire des. Et en admettant les densités ou les fonctions de répartition des lois de référence. Alors, on a la fonction de répartition. C'était la question 1. La question 2, ça revenait à montrer que y est une variable à densité. Alors, là, on va redemander à quelqu'un, justement. Ah, maintenant, c'est 5, mais en partant du début. J'ai déjà interrogé Baptiste, c'est ça, c'est toujours Baptiste. Ah, relançons. 19, maintenant, ça change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Léa. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut prouver pour prouver que y est une variable à densité? Quelle est continue sur R ou ce que vous appelez A? Oui, alors fy, sa fonction de répartition, il faut montrer qu'elle est continue sur R et il faut montrer qu'elle est C1 sur A. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut aussi prouver les limites et la croissance? Non, c'est avec l'intégrale. C'est avec l'intégrale. Non, 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 les limites et la croissance, c'est aussi quand on a la fonction de répartition. Mais c'est pas ça qui, ici, fait qu'on n'a pas à le faire, c'est une autre propriété. Ce qu'on a fait à la première question, c'est qu'on a trouvé la fonction de répartition de y. Donc on a déjà une fonction de répartition. Il ne nous reste plus qu'à prouver,
fonction de répartition d'une variable à densité. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté la semaine dernière sur le fait qu'il y avait des points à prouver pour fonction de répartition. Si on devait prouver fonction de répartition, il y aurait à prouver la croissance de fy et les limites, en plus et moins l'infini. Mais puisqu'on a déjà prouvé en question 1 que ceci est une fonction de répartition, on a juste besoin ici en question 2 de montrer ces deux points-là. Donc c'est uniquement la régularité de la fonction qu'on va regarder. Donc faisons les règles d'opération classiques et voyons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Ben, on peut déjà dire que la fonction qui a x donne, je vais déjà dire lambda 2 sur 2 x moins 1 est clairement c1 sur r, aucun problème là-dessus. Elle est donc forcément par composé avec l'exponentielle, celle-ci elle va poser aucun problème non plus, elle va être c1 sur r. Donc ce qui nous intéresse sur moins l'infini 1. Et d'un autre côté, j'ai la fonction constante égale à 1 qui est clairement aussi c1 sur r. Donc sur 1 plus l'infini. J'ai encore piégé quelqu'un là-dessus hier, on va piéger quelqu'un. 10 en partant de la fin ce coup-ci. Ah, j'ai cru voir une main levée, non, j'ai raté. Non, j'ai raté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Max. Au final, avec les deux arguments que je viens de donner, sur quel domaine je peux dire que cette fonction est de classe C1? Mince. R privé de 1, exactement Max, c'est exactement ça. Ah, très très bien justement. Ne pas rajouter, oui pareil Pauline, ne pas rajouter le point de raccord. Le point de raccord n'appartient jamais au domaine que vous pouvez prouver comme ça. Donc, fy est clairement de classe C1 sur R privé de 1. Donc c'est pour ça qu'on parle, elle n'a pas besoin d'être C1 sur R tout entier. Donc on a bien ça. Maintenant par contre il faut clairement aussi prouver continue sur R. Donc puisqu'on a déjà C1, on a déjà aussi entre guillemets, je rappelle que les fonctions C1 sont des fonctions continues à dérivée continue. Donc on a déjà prouvé entre guillemets que cette fonction est continue sur R privé de 1. Il reste à prouver la continuité en 0. À établir la continuité en 0. Pour établir la continuité en 0, continuité, excusez-moi, on vient d'écrire que c'était privé de 1. Excusez-moi, c'est la continuité en 1. Donc allons-y. D'un côté, donc j'ai fait disparaître l'expression de ma fonction. Je vais la réécrire très très vite ici pour qu'on l'ait au tableau. C'était exponentielle lambda sur 2 x moins 1 et 1 ensuite. Donc, fy de x quand est égal, quand x est inférieur ou égal à 1, à exponentielle lambda sur 2 x moins 1, qui tend, quand x tend vers 1, bah, tout simplement ça va faire du exponentiel de 0, cette chose-là, donc ça tend vers 1. Et cette quantité, elle est égale quand x est strictement plus grande que 1, bah, tout le temps à 1, qui tend sans la moindre contrainte quand x tend vers 1. Va vers 1. Donc fy est continu en 1. Donc fy continue sur R. C'est bien la fonction de répartition d'une variable à densité. Et donc y est bien une variable à densité. Donc là voilà, dès qu'on a fait le premier effet de transfert, après on revient sur toutes les questions classiques que l'on sait mener. Donc si je continue mon exercice, une fois qu'on m'a demandé de montrer que c'était une variable à densité dans mon exercice 5, on me demande juste derrière de déterminer une densité de y.
Encore une fois, on a sa fonction de répartition. Ah, donc on va en parler. On a FY qui est de classe C1 sur R privé de 1. Donc pour tout x appartenant à R privé de 1, on a forcément en fait que la densité, si je la note FY de x, ça va être FY prime de x dans ces cas-là. Et donc ça va être la dérivée de la fonction qu'on vient de trouver. Alors c'est une dérivée de composé encore. Enfin d'un côté ça devrait aller sans trop de difficultés. Donc ça d'un côté la dérivée de 1. La dérivée de 1 ça va carrément faire 0 si x est strictement plus grand que 1. Et ensuite, je dois dériver, je vais le refaire mal ici, mais c'est pour vous, au cas où ça vous a aidé ce que j'ai fait hier. Sinon, encore une fois, faites-le proprement, c'est tout ce que je veux. Mais je dois dériver exponentielle lambda sur 2 x moins 1. Je ne sais pas faire, c'est trop compliqué pour moi. Donc je vais poser a qui vaut... Je vais vraiment faire ça de façon bête, mais c'est pour vous montrer l'intérêt. Je vais poser a juste qui vaut x moins 1. Donc entre guillemets, si je pose a prime, ça vaut 1. Et donc je sais que ma dérivée, ça devient du a prime fois exponentielle de lambda sur 2 à dériver. Donc ça me fait du 1 fois exponentielle lambda sur 2 à dériver. Et on va vraiment faire ça de façon bête. Je sais toujours pas dériver a. Donc je vais poser b qui vaut lambda sur 2a. Normalement, vous devez savoir que b prime, ça fait lambda sur 2. Et si vous faites ça, bah, cette dérivée, ça devient du b prime fois la dérivée d'exponentielle de b prime. Et donc ça devient du lambda sur 2 exponentielle de lambda de b. Donc ça devient du lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2a. Et donc si je finis mon calcul tordu, ma dérivée de composé, ça devient juste. Du lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2. Et a, j'avais posé x moins 1. Donc ça fait du lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2 x moins 1. Oui, on pouvait développer, mettre la constante devant. Il y avait plein de façons de s'en sortir. Oui, bien sûr. Non, mais du moment que vous savez dériver ça, je m'en fiche, Alexis. C'est juste, j'ai eu trop d'erreurs de dériver dans les derniers devoirs pour que je perde pas un tout petit peu de temps à vous montrer des astuces de dérivation. Mais sinon, s'il n'y a aucune erreur de dérivation, du moment que vous avez bon, ça me va largement. Bah voilà pour cette densité de probabilité qu'on vous donne. Elle vaut ça, tout simplement. Alors ça, c'est, je rappelle que c'est si x appartient à R privé de 1. On sait qu'elle vaut ça. Maintenant, il faut conclure à une densité. Une densité, c'est une fonction définie sur R. Donc, FY de x qui serait égal. Donc ça, c'est si x strictement plus petit que 1. Donc je vais garder l'expression compliquée, lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2 x moins 1. Si x plus petit que 1, et je vais moi poser 0 si x, et c'est là maintenant moi qui le pose, si x est supérieur ou égal à 1. Je rappelle, c'est parce qu'on peut fixer toute valeur positive. Pour FY, là où grand FY n'est pas dérivable. Est-ce que ça vous va pour obtenir la densité de cette variable aléatoire? C'est un petit calcul de dérivée, hein, c'est tout, hein, y a rien de plus méchant que ça. Oui. C'est bon, Maxence? Ok.
Ok, Manon, d'accord. Maintenant qu'on a la densité, dernière question de cet exercice, et après on refera d'autres transferts, mais c'était pour faire un exo en entier et vous montrer ce que c'est qu'un exo qui contient un transfert de Loi. Dernière question, c'est calculer l'espérance de la variable y. Ben, en fait, c'est ça le truc, c'est puisqu'on a une densité, il n'y a pas besoin de formule de transfert. Vous verrez l'année prochaine le théorème de transfert sur les variables à densité. Il y a un transfert d'espérance. Hein. On pourrait s'en sortir tout simplement. Je vais vous l'écrire entre guillemets pour que vous l'ayez en termes de culture. Mais nous, ce qu'on va calculer ici pour calculer l'espérance de y, c'est tout simplement maintenant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f y de x dx, vu qu'on sait parfaitement, on connaît parfaitement la densité de f y. Mais ce qu'on sait faire d'un point de vue variable discrète, c'est-à-dire qu'on sait, puisque y ça valait moins 2x plus 1, je vous le dis, mais cette règle-là marcherait aussi. On pourrait tout à fait calculer ça en faisant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de moins 2x plus 1 fois la densité de x dx. Ça marcherait aussi. C'est aussi par transfert, ça marchera aussi. Oui, Hugo, tu as une question? Si grand F de x, il est dérivable sur tout R, genre qu'il n'a pas de, il a pas de valeur où il y a, bah genre il n'y a pas de, il y a pas deux expressions. Oui. Du coup, est-ce que il n'y a qu'une seule densité? Exactement. Dans ce cas-là, il y a unicité de la densité. On l'a vu hier en fin d'exo quand on a fait cet exercice-là. On avait une fonction de répartition qui était ça. Celle-là, elle est C1 sur R. Donc elle n'admet une unique densité. Il n'y a pas de possibilité de fixer quoi que ce soit et d'avoir plusieurs densités. Donc, en troisième question, on veut calculer l'espérance de y. On va d'abord réécrire le fait que ça, en fait, ça revient à l'intégrale de moins l'infini à 1 de x fois lambda sur 2 exponentielle lambda sur 2 x moins 1 dx. On écrit l'expression de moins l'infini jusqu'à 1. Et il y a l'expression de 1 jusqu'à plus l'infini qui vaut juste 0 dx. Donc ça, écrire l'existence et calculer l'intégrale de l'espérance de y, ça revient à prouver. Montrons, je vais l'écrire comme ça, la convergence, et je le rappelle, et là il y aura un vrai souci, la convergence absolue de cette intégrale, et calculons-la. Pourquoi il y a un problème? Parce que là maintenant, on sait que la densité est forcément positive, donc cette partie-là est forcément positive. Par contre, clairement, le x qui est ici change de signe. Donc là, il faut bien mettre des valeurs absolues pour bien prouver qu'on fait de la convergence absolue. Bon, c'est juste ça. En dehors de ça, la fonction est clairement continue sur moins l'infini 1. C'est juste la densité d'avant multiplié par x qui est un polynôme, donc elle est clairement C0, ça suffit largement ici, sur moins l'infini 1. Donc cette intégrale est uniquement impropre en moins l'infini. Impossible de synchroniser. Vous m'entendez? J'ai eu un petit bug internet apparemment. Il m'a dit qu'il y avait un Ouais, c'est problème. bon. Oui, c'est bon? D'accord. Il m'a affiché comme quoi j'étais plus synchronisé. Donc c'était juste pour être sûr. Merci. Donc cette fonction, elle est bien continue sur moins l'infini 1. Du coup, ça va perturber. Oui, je dois prouver que ce qui implique que l'intégrale est impropre. Non, j'arrive plus à écrire. C'est ça, il y a un problème. J'arrive plus à écrire. J'arrête la présentation et je la relance, comme j'ai déjà fait d'autres fois.
Ah, normalement, ça garde ce qui est au tableau, hein. C'est juste que là, je n'arrive plus à écrire. Arrêter, partager. Oui, Hugo, c'est que t'as toujours, c'est que t'as, tu relèves la main ou c'est que t'avais oublié de l'enlever? Ok, pas de souci. Donc, j'en étais. Ah oui, l'intégrale est impropre en moins l'infini. Puisque l'intégrale est impropre en moins l'infini, on n'a qu'à regarder à ce niveau-là la fonction. Ah, on va la regarder en valeur absolue, vu qu'on veut regarder la convergence absolue de ceci. Bah, ça, en fait, en valeur absolue, ça fait juste du valeur absolue de x. Lambda est une constante positive, donc on peut la sortir de la valeur absolue. L'exponentielle, on sait que c'est positif. Et donc, en fait, la valeur absolue de cette chose-là, puisqu'on est en x strictement négatif, car x, on va aller le faire tendre vers moins l'infini. Ça revient à étudier la convergence de l'intégrale en moins x, lambda sur 2, exponentielle de lambda sur 2, x moins 1. Ok, bah à la limite, maintenant que j'ai enlevé mes valeurs absolues, je sais que je peux regarder juste ce terme-là. Il faut que j'essaye de prouver que l'intégrale est convergente. Je suis à l'infini, donc je vais me comparer tout simplement à une intégrale de Riemann. Donc je vais faire du moins x, lambda sur 2, exponentielle lambda sur 2, x moins 1 divisé par 1 sur x puissance alpha. Ce qui va me faire, je vais un tout petit peu vite, mais il faut maîtriser ces calculs, ça me fait du moins x puissance alpha plus 1 lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2 x moins 1. Pourquoi moins x, Erwan? On est dans. L'intégrale est impropre en moins l'infini. Donc, comme on est en moins l'infini, on peut considérer en gros que notre x il est négatif. Et je rappelle la définition, encore une fois, c'est vos définitions, hein, qu'il faut vous apprendre. La définition de valeur absolue de x, ça vaut x si x est positif ou nul. Et ça vaut moins x si x est strictement négatif. Donc, puisque je sais que je suis dans les négatifs. Ma valeur absolue, c'est ni plus ni moins la même chose que manipuler un moins x. En fait, en mettant un moins là-dedans, comme mon x est négatif, je travaille là bien avec une quantité positive. Du coup, pour entre 0 et 1, on fera après. Mais il n'y a pas besoin de calculer l'absolu, il n'y a pas besoin de vérifier l'absolue convergence sur 0, 1. C'est pour ça que j'ai dit que la fonction était continue sur moins l'infini 1, Baptiste. Comme ça, je sais que le seul point où elle est impropre, c'est en moins l'infini. C'est juste pour ça. Et par contre, comme la fonction était négative, j'ai dû passer en valeur absolue. Mais j'ai juste besoin de regarder ce qui se passe en moins l'infini. Dès que j'aurai prouvé la convergence de la fonction en valeur absolue à cet endroit-là, j'aurai prouvé l'absolue convergence et j'enlèverai les valeurs absolues pour faire le calcul de la valeur de l'espérance. Donc je réécris là-haut ce que j'ai écrit là-bas en bas. On se retrouve donc avec du moins x puissance alpha plus 1, lambda sur 2, exponentielle de lambda sur 2, x moins 1. Je veux la limite de ce truc-là quand x tend vers moins l'infini selon les valeurs de alpha. Alors, on va décomposer un tout petit peu comment ça se passe, mais je me retrouve donc avec du exponentielle de moins l'infini qui va vers 0. Je me retrouve avec une constante positive qui apporte rien. Donc je me retrouve avec du moins l'infini puissance alpha plus 1 fois exponentielle de moins l'infini. C'est ça ma forme. Donc ceci, quelle va être sa limite? Qu'est-ce qui va aller en fonction de alpha? Ou pas en fonction de alpha, ça dépend des calculs. Qu'est-ce qui va me dire ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Emma! Quelle va être la limite de cette fonction en fonction de alpha, ou ça dépend peut-être même pas de alpha. À toi de me dire. Zéro, Oui, et c'est quoi l'argument? ça Parce que là dépend c'était une fois. de l'exponentielle, enfin, C'est l'exponentielle qui l'emporte, donc c'est de là. croissance comparée. Exactement.
Très très bien, merci Emma. Donc cette quantité-là va tout le temps vers 0, quel que soit alpha, sans la moindre contrainte, par croissance comparée. Donc on a toujours que... je vais la renoter xf de moins xf de x ou xf de x. Non, je vais renoter la bonne expression, c'est mieux. On a toujours moins x lambda sur 2 exponentielle lambda sur 2 x moins 1 qui est un petit taux de 1 sur x puissance alpha quand x va vers moins l'infini. Et je rappelle qu'une intégrale de Riemann converge à l'infini si et seulement si alpha plus grand que 1. Donc, pour, par exemple, alpha égale 2, c'est moi qui décide, il faudrait que je fasse mes petits graphes si vous en avez besoin. Mais ici, enfin, c'est vraiment, puisqu'on n'a qu'un seul type de résultat, ce type de résultat, il sert clairement à prouver de la convergence. Donc, il faut que je prenne juste l'intégrale plus grande. Donc, pour alpha égale 2, on a l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de 1 sur t carré, ou x carré plutôt. Qui converge, intégrale de Riemann. Donc par critère de comparaison sur les séries. Sur les séries, pardon, sur les intégrales de fonctions positives. L'intégrale de moins l'infini, c'est jusqu'à 1. Absolument pas, Hugo, je te laisse réfléchir 10 secondes. Je réexplique dès que j'ai fini d'effacer tout ça. Traçons le graphe de notre chère fonction 1 sur x puissance alpha. Puisqu'on va vers moins l'infini, donc on est par là, en termes de surface, tu penses vraiment que tu veux aller jusque ici, Hugo? Et considérer l'intégrale qui prendrait en plus toute la surface jaune qui n'est pas considérée mais qu'il faudrait prendre en compte? Mais du coup, en fait, on fait comme celle de référence, sauf que là, c'est des mots. Oui, parce qu'on est vers moins l'infini. C'est juste ça, mais puisque les fonctions 1 sur x puissance alpha sont paires ou impaires, il n'y a vraiment aucun autre problème de convergence ou quoi que ce soit. C'est juste la symétrie de l'intégrale qu'on a. Parce qu'on est pour une fois en moins l'infini. C'est assez rare qu'on a des problèmes en moins l'infini. C'est que quand c'est. C'est que quand le truc. Pas le déterminant à l'intérieur, il est négatif. Oui. Ce qui pourrait se passer, c'est parce que là c'est un exo que j'ai fait moi-même, mais si c'était un sujet de concours, je suis sûr qu'il y aurait une question intermédiaire de changement de variable ou sur autre chose pour vous ramener en plus l'infini, pour que vous puissiez ramener vos questions de cours plus classiques. Mais ça change vraiment strictement rien. On a donc bien une intégrale sur les fonctions de l'intégrale de moins l'infini à 1 de moins x lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2 x moins 1 dx converge, ce qui implique que l'espérance de y converge absolument, vu qu'on était passé en valeur absolue. Donc maintenant on sait converge absolument et existe, et il ne reste plus qu'à la calculer. Donc maintenant on doit calculer l'intégrale, et on va revenir à une borne finie, de a à 1 de ceci x lambda sur 2 exponentielle lambda sur 2 x moins 1 dx. Et pour la calculer, cette intégrale, là c'est moi parce que je sais à peu près ce qu'il va avoir comme calcul et je vois dans quelle direction je veux aller, mais je vais faire un changement de variable dans cette intégrale pour me ramener à des choses plus classiques de référence. Je vais aller poser comme changement de variable y qui vaut... Tiens, je pourrais aussi mettre du lambda sur 2 pour pas trop m'embêter. Est-ce que ça vaut le coup? Je peux intégrer le lambda sur 2 si je veux. Bah tiens, je vais mettre le lambda sur 2 dedans. Je vais mettre du moins lambda sur 2, x moins 1 en y. Voilà.
On va voir si ça m'aide beaucoup de mettre le moins lambda sur 2. Alors pourquoi je mets un moins? C'est parce que justement, comme les bornes sont 1 jusqu'à moins l'infini, ça me permettra de me ramener à des intégrales qui vont normalement aller de 0 à plus l'infini, qui sont beaucoup plus classiques. En effet, pour les changements de bornes, si x égale à a, y qui vaut moins 1, moins lambda sur 2, a moins 1, mais c'est surtout la borne qui m'intéresse, c'est si x est égal à 1, ben y qui vaut clairement 0. J'ai fait mon changement de borne. Je vais réécrire toujours la même chose. Y est égal à moins lambda sur 2 x moins 1. Ça me donne que 1 dy, si je dérive, ça me fait du moins lambda sur 2 dx. Donc je vais avoir le lambda sur 2 qui va pouvoir rentrer dans le dx aussi. Et j'ai plus qu'à faire le changement de corps de mon intégrale. Hop. Donc mon intégrale, c'était l'intégrale, ce qui était à l'intérieur de l'intégrale, c'était x lambda sur 2, exponentielle lambda sur 2, x moins 1, dx. Je me suis clairement arrangé pour que ça devienne du exponentiel moins y, j'ai tout fait pour. Le lambda sur 2 dx, ici, tiens, je vais le réécrire comme ça, j'ai lambda sur 2 dx, je peux l'écrire comme moins dy. Donc je peux... Donc là, c'est j'ai recopié ce terme-là qui devient ce terme-là. Le lambda sur 2 et le dx, je vais pouvoir le transformer ça en moins dy. Et la dernière partie en rouge, c'est celle-là qui va mal se passer parce que j'ai mal équilibré, enfin que c'était un tout petit peu plus compliqué. Mais ça va mal se rééquilibrer, la partie en rouge. Je vais écrire en noir ici. Parce qu'en fait, c'est x que je dois remplacer. Et donc x, je ne vais pas avoir le choix que de dire que c'est du 1 moins 2 sur lambda y. Donc j'ai ce 2 sur lambda qui va traîner quand même. Et donc ça va me faire du 1 moins 2 sur lambda y. Ayant fait mon changement entre guillemets de corps, je peux réécrire mon intégrale. Donc l'intégrale initialement qui allait de a jusqu'à 1 de x. Lambda sur 2 exponentielle de lambda sur 2 x moins 1 dx, ça revient. Le moins dans le, devant le dy, je vais le sortir de l'intégrale, ça revient à moins l'intégrale. La borne du bas, c'est moins lambda sur 2 a moins 1. La borne du haut, c'est 0. C'est ce qu'il y a en dessous, parce qu'on ne voit plus trop. Et ensuite, je peux recopier ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, bon bah j'ai un 1 qui part très très bien, j'ai un moins 2 sur lambda y, et j'ai mon exponentielle de moins y dy. Et donc j'ai moins cette intégrale là, je vais la réécrire en deux morceaux, je vais séparer cette intégrale en deux et je vais retourner les bornes avec le moins. Il était marqué que j'étais, bah voilà, c'est, j'ai reperdu la synchronisation, je suis désolé, j'arrête la présentation et je la relance. Ça m'a redit que j'ai perdu la synchronisation. Partager du contenu du tableau blanc. Voilà, j'ai repris le contrôle normalement. Donc ça revient à faire l'intégrale de 0 à moins lambda sur 2 à moins 1. D'un côté, je vais juste mettre de exponentielle moins y dy, et de l'autre côté, il y avait un moins, donc on va remettre le moins. Je peux sortir le 2 sur lambda, qui est une constante et qui peut sortir de l'intégrale. J'ai aussi l'intégrale de 0 à moins lambda sur 2 à moins 1. Et là, je me retrouve avec du y exponentielle de moins y dy. Bref, l'idée c'était surtout d'arriver à ce résultat-là et maintenant de faire tendre a vers moins l'infini. Si a tend vers moins l'infini, ça d'un côté ça va tendre vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins y dy, moins 2 sur lambda, intégrale de 0 à plus l'infini
de y exponentielle de moins y dy. Alors on a fini. Je vais juste embêter quelqu'un avec ses valeurs. Hop. Alors, 7 en partant de la fin, ça fait qui ça? 4, 5, 6, 7. Pierre, est-ce que tu peux me donner la valeur de ces deux intégrales? Je me demande même si on n'en a pas parlé ensemble. C'était hier. Bah, du coup, ça fait moins 2 sur le lambda. Parce que là, les deux intégrales, c'est 0. Les deux intégrales font 0. Alors tu vas m'expliquer comment l'intégrale d'une exponentielle qui est tout le temps strictement positive entre 0 et plus l'infini fait 0. Non, ces deux intégrales-là ne font pas 0. Et de toute façon, même si elles faisaient 0 toutes les deux, ça ne ferait pas moins 2 sur lambda, vu que ça ferait 0 moins 2 sur lambda fois 0, ça ferait 0 comme espérance. On a parlé, ce sont des intégrales de référence qu'il faut connaître. Ces deux intégrales. Leur valeur, est-ce que quelqu'un d'autre peut aider Pierre? Alexis? La première c'est 1. Tout à fait d'accord. Et la deuxième c'est 1 sur 1. Oui, ce serait du 1 sur lambda, enfin il manquerait, voilà, ce serait du 1 sur lambda, et donc ça fait du 1 sur 1, je suis d'accord avec toi. En gros, l'idée c'est que c'est la même chose. Alors, il y a déjà un lambda dans les calculs, hein. Mais dans vos intégrales de référence, il y en a une en, moins lambda, en lambda moins lambda t, et ça fait 1 cette intégrale là. Et donc là, on la joue pour lambda égale 1. Et l'autre que vous avez dans votre cours, il faut un lambda ici, et ça fait du 1 sur lambda. C'est l'espérance de la loi exponentielle qu'on verra plus tard, mais ça fait ça. Donc au final, on a une espérance qui vaut du 1 moins 2 sur lambda. Voilà pourquoi je vous ai fait apprendre ces intégrales, hein. C'est parce que sinon on peut vraiment faire très très peu de calculs sans les avoir, ou alors on doit refaire des IPP ou des calculs de primitives à la main, ça fait perdre un temps incroyable. Est-ce que ça va sur le fait qu'en fait ce que j'ai fait comme calcul, c'est ni plus ni moins qu'un calcul d'espérance pour une nouvelle variable une fois que j'ai fait le transfert de la loi? Donc c'est pour ça que savoir faire un transfert est très important. Parce qu'une fois qu'on a fait un transfert, on se ramène à des exos classiques de plutôt type de la semaine dernière, où on va montrer que la fonction de répartition est une fonction de répartition à densité, où on va montrer calculer une densité, et où on va faire que on va calculer l'espérance. Ok, bon voilà pour ce premier exemple de transfert. Faisons-en un autre. Pour ça, j'ai plusieurs transferts qui étaient écrits. Non, je ne les ai pas mis là, c'est dans la liste des exos. Donc l'exo, il y a plein de transferts. J'aimerais bien qu'on ait encore le temps d'en faire deux. C'est l'exercice 7. Et on va commencer par le 2, vu que c'est le plus facile. L'exercice 7. Peut-être les calculs sont moins faciles, mais en termes de concept, c'est clairement lui le plus facile. Enfin, si on efface la dernière étape plutôt. Ça se fait bien moins 2 sur lambda. Donc l'exercice 7, je donne x qui est une variable à densité de densité, on l'a déjà traduit, étudié cette densité là. On a dit que ça vaut la densité, elle vaut 0 si x c'est plus petit que 2, c'est ça? Oui, si x strictement plus petit que 2, et elle vaut 1 sur x racine de 2x, si x supérieur ou égal à 2. Donc, ce que je note souvent comme ça, hein, x sur racine de 2x, fonction caractéristique de l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ça, c'est la fonction f de x. C'est la densité de x. Et on va poser le transfert suivant. Mais on va poser le transfert suivant, on va poser y qui vaut lnx.
y, c'est la variable qui est égale au log de x. Donc une variable classique. Alors mon exo est un peu court, c'est déterminer la loi de y. Donc ce que je veux surtout, c'est la fonction fy pour déterminer sa loi. Et la question d'après, comme on se l'est posé là, est-ce que c'est une variable à densité? S à densité? Et dans ce cas-là, peut-on déterminer une densité? Ah, bah allons-y. On va voir que l'étape de transfert est assez facile encore une fois, mais qu'il faut être concentré parce qu'on va avoir plusieurs expressions, comme tout à l'heure. Alors, on a pas mal de calculs ici qui nous attendent. Pourquoi? Première chose, ce que je veux moi, c'est déterminer fy et deux, savoir si c'est sa densité. Donc, pour la question, c'est là où on va avoir pas mal de calculs, parce que fy de x. Encore une fois, on revient à la définition. C'est la probabilité que y est plus petit que x. Donc c'est la probabilité, en utilisant le transfert qu'on nous propose, c'est la probabilité que ln de x soit plus petit que x. Donc c'est pas très très compliqué de continuer ça. Je compose par exponentielle qui est strictement croissante. Ça revient à la probabilité que x soit plus petit qu'exponentielle x. Donc ça revient à calculer en fait la fonction fx d'exponentielle x. Donc là, on a fait la première partie du transfert. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous répéter que quand le transfert est une fonction bijective, comme là le ln, le transfert se fait assez facilement. Et on arrive à retrouver fy par rapport à fx sans trop de difficultés. Quelle est la surcouche de difficulté par rapport à l'exo précédent? Est-ce que vous le voyez? Maintenant, je veux l'expression de f de y. Et il y a une surcouche par rapport à l'exercice précédent. Qui est capable de me dire quelle est la surcouche qui nous manque ici ou qu'est-ce qu'il faut faire en plus qui n'était pas à faire dans l'autre exercice? Les limites? Pas du tout, Camélia. On n'aura pas à faire ça même tout à l'heure. Peut-être pour de la continuité après, pour montrer qu'elle a la densité, mais pas grand-chose. Ah, on n'aura pas de gros calcul de limite. Non, non, c'est la nouvelle contrainte, elle vient pas de là, c'est qu'ici, on n'a pas le signe, Simon, le signe de quoi? Ah, pour avoir les... Oui, enfin, ça va être lié un peu à ça. Par rapport aux valeurs, par rapport à 2 ou non, mais c'est déjà avant même ça, mais ça va être lié. On n'a pas l'expression de fx tout simplement. Je vous ai donné la variable x par rapport à sa densité. Donc vous n'avez pas l'expression de fx. Alors, c'est là où il y a une surcouche. Cette surcouche, elle peut être gérée de deux façons. Donc je vais expliquer les deux façons parce que, oui, alors d'un côté il y a ça, Martin, mais on n'est pas non plus obligé. Et ça dépendra des questions qui vous seront posées. Tout simplement. Donc je vais expliquer ce qui peut se passer et comment vous pouvez traiter le problème, mais il y a vraiment deux approches à ce problème-là. Alors. Enfin, de toute façon, même si les questions sont les mêmes, on peut utiliser les deux approches. Alors, attention. Ici, on ne dispose pas de fx. Donc ce que je vais appeler la méthode 1 entre guillemets, c'est on détermine grand fx à partir de la densité petit f qu'on y donne en 1. 2, on détermine fy à partir de fx, comme on a fait dans le premier exo en fait, et à partir de là, on montre que 3, on montre que fy est C0 sur R, C1 sur un certain ensemble A, et on calcule
la densité petit f y comme la dérivée f y prime. Méthode 1, je vais mettre exo précédent. Le seul point qu'on rajoute par rapport à l'exercice précédent, c'est ce point 1. Est-ce que vous êtes d'accord que si on fait ça, c'est la même chose, sauf que ce qui nous manque, c'est fx. C'est vraiment la même chose que l'exo précédente, sauf qu'on se rajoute une petite contrainte de calcul à devoir calculer fx. Est-ce que ça vous va sur le fait que ça va marcher comme ça? Ok Alexis, les autres aussi ça vous va? Camélia aussi, Simon, Manon, Inès aussi, Baptiste, bon. Ok. Il y a une deuxième méthode qui n'avait rien à voir avec la première et qui est particulière et dont on va parler ici. Puisqu'on n'avait pas, en fait, puisqu'on doit rajouter cette couche-là, la deuxième méthode est beaucoup moins efficace en général, mais puisqu'on doit rajouter cette couche-là ici, là, elle devient quasiment aussi efficace que l'autre. La méthode 2, c'est... On utilise les règles de domaine. Alors en 1, c'est on utilise les règles de domaine. De continuité et dérivabilité. Pour montrer que fy est à densité. Enfin que y est à densité. Là, on va le voir et je vais commencer par cette méthode-là. On calcule fy égale fy prime par les dérivées de composés. Et dans ce cas-là, puisque avec cette méthode-là, on ne déterminera pas la fonction grand fy, si on nous demande aussi de déterminer grand fy, on reprimitive. C'est plutôt le troisième point, c'est on calcule fy comme une fois qu'on a trouvé la densité par l'intégrale de moins l'infini à x de fy de x dx. C'est on revient tout à fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on finit par la fonction de répartition en allant très très vite vers la densité. Alors, pourquoi on peut le faire? Alors je vais commencer par la méthode 2. Hein. Pour vous montrer que ce que je veux dire par là, vu que la méthode 1, on sait déjà ce que c'est, mais après, je vous ferai les calculs comme on a l'habitude de les faire, et on verra que ça mène à la même chose. Ce qu'on vient de prouver, c'est que fy de x, c'est tout simplement fx de exponentielle x. Et ce qu'on sait, c'est que la fonction fx a... Clairement, elle est continue sur R. Et on sait que cette fonction fx, elle est C1 en fait sur R privé de 2. Pourquoi on sait qu'elle est C1 sur R privé de 2? Bah, tout simplement parce qu'on a la densité petit f qui nous est donnée. La densité petit f de x, elle est clairement C1 sauf en 2. C'était cette fonction-là. Il y a un problème de continuité de cette fonction en 2. Sinon, en dehors de 2, elle est parfaitement continue cette fonction petit f. Donc la fonction fx, elle a clairement cette régularité là. La fonction exponentielle, elle est clairement continue. Enfin, elle est clairement même c1 sur r. J'ai pas besoin de parler de continuité, tout est régulier ici, il n'y a pas de problème. Donc on va clairement, avec ces deux arguments là, pouvoir dire deux choses sur la fonction fy en tant que composé. En tant que composé, fy, c'est un grand fy, pardon. Clairement, la fonction fy, elle va être continue sur R sans la moindre difficulté. Et là, c'est du domaine de composé, c'est pas si simple que ça, il faut vérifier. C'est l'exponentielle qui a domaine R qu'on met à l'intérieur de fx qui est c1 sur r privé de 2 ici. Donc je rappelle que globalement la fonction va être c1
sur l'ensemble des x appartenant à R, le domaine bleu de la fonction exponentielle, tel que, et derrière il me faut ma condition pour être dans le domaine de fx, exponentielle x appartient à R privé de 2. Donc il y a juste qu'à résoudre l'équation exponentielle x égale 2, qui n'est pas très très dure à résoudre, qui va nous donner x égale ln de 2. Donc ce qui va impliquer que fy va être de classe C1 sur R privé de ln de 2. Donc sans même calculer la fonction fy, je viens de montrer qu'elle est continue sur R et C1 sur R privé de ln de 2. Donc y est une variable à densité. J'ai pas eu besoin de faire le moindre calcul de la fonction. J'ai utilisé les règles de composé pour montrer que cette fonction était une variable à densité. Alors c'était le point 1. On peut faire aussi d'affilée le point 2. Et c'est le point 2 qui est peut-être le plus magique. C'est que même sans calculer fy, je suis tout à fait capable de donner sa densité petit fy. Tout simplement en appliquant les règles de dérivée des composés. Alors, j'efface le haut. Donc, pour tout y appartenant à pour tout x appartenant à R privé de ln de 2, la dérivée fy prime de x, bah je vais utiliser encore une fois ma notation, du moment que vous le faites, ça ne me pose pas de problème, ça me fait du fx de exponentielle x prime. Je ne sais pas dériver ça, moi. Donc je vais poser a qui vaut exponentielle petit x. A prime, dans ce cas-là, ça vaut exponentielle petit x. Donc ça va me faire du a prime fois la dérivée de f prime de a. Bah, ça va me faire du exponentielle x fois du la dérivée de f de x, c'était f fois f de a. Donc ça va me faire du exponentielle x fois f d'exponentielle x, tout simplement. Donc c'est ça la dérivée de fy prime de x. Donc j'ai pas tout à fait son expression, parce que je rappelle que petit f a deux expressions. Donc petit f ayant deux expressions, il faut trouver les différentes expressions de ça. Alors, je le mets ici, mais f de x, ces expressions changées si x était plus petit que 2 et ça valait 1 sur x racine de 2x si x était plus grand que 2. Donc ça revient à vérifier exponentielle x strictement plus petit que 2, ça revient à du x strictement plus petit que ln de 2. Et donc forcément mon fy prime de x, ça vaut exponentielle x fois 0 si x strictement plus petit que ln de 2. Et ça va valoir exponentielle x fois 1 sur exponentielle x racine de 2 exponentielle x si x va être plus grand que ln de 2. Je n'ai pas encore défini une densité parce que je n'ai pas donné sa valeur en ln de 2. Je peux poser la valeur que je veux. Je ne vais pas m'embêter, je vais poser la valeur nulle pour ne pas avoir de problème. Donc, petit fy de x qui vaut 0 si x inférieur ou égal à ln de 2 équivaut, alors je vais la simplifier, il y avait un exponentiel x en haut et un exponentiel x en bas, hein, je vais les simplifier ces deux exponentiels là. Ça va me donner du 1 sur racine de 2 exponentiel x. Si x plus grand strictement que ln de 2.
et j'ai trouvé ma densité sans connaître la fonction de répartition. Est-ce que ça vous va pour ce petit calcul de densité? C'est bon pour Raphaël, Léa aussi. Bon, bah, tant mieux. Juste, je me permets tout de suite, ça va nous servir pour la dernière question et la dernière partie de cette méthode 2. Ça, je peux le réécrire, la deuxième intégrale, comme du racine de 2. Et je vais monter ça comme du exponentiel de moins 1 demi de x. Juste, ce que j'ai utilisé, c'est qu'en bas, j'ai du racine de exponentiel x. Ce qui fait du exponentiel x puissance 1 demi. Et donc ce qui fait du exponentiel de 1 demi de x, et je le remonte au numérateur. J'ai pas compris pourquoi on a exponentiel x en bas de la fraction. C'est à cause de ça, Baptiste, c'est parce que on utilise du f de exponentiel x. Excusez-moi. Les x qui sont ici, je dois donc les remplacer par des exponentiels x. Ah, excusez-moi, je dois éternuer, je suis désolé. Donc ça c'est si x plus petit que ln de 2, et ça c'est si x strictement plus grand que ln de 2. Donc c'est juste que ça me permet d'avoir une expression un tout petit peu plus simple de ma densité pour calculer la fonction de répartition maintenant. Je me permets d'effacer ça. J'ai pas écrit, donc f de x qui est égal à ça est une densité de y. Donc il me reste juste une dernière chose à faire et j'ai fini mon exercice, c'est est-ce que je peux calculer la fonction de répartition de f y? Puisque j'en ai une densité, ça va aller très très bien. Je vais faire ça en bas pour le moment. Mais pour le calcul de fy, fy de x, maintenant pour moi, ça va être l'intégrale de moins l'infini à x de petit fy de x dx. On a déjà fait une de ce calcul de ce genre-là hier. Je vous rappelle que si la fonction a plusieurs expressions, il va falloir qu'on regarde la borne qu'on met ici, comment on la fait varier. Sauf que j'ai encore un problème de notation. On va mettre du dx ici. C'est du dt, excusez-moi. Donc, je vais faire deux cas. Ça va être égal, ça dépend. Ça va me faire l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt. Si x tout simplement est inférieur ou égal à ln de 2, vu que dans ce cas-là je n'ai qu'une seule expression de ma densité. Et ça va valoir l'intégrale de moins l'infini à ln de 2 de 0 dt, plus l'intégrale de ln de 2 à x de 1 sur racine de 2 exponentielle moins 1 demi de t dt, si x là est strictement plus grand que ln de 2. C'est ça pour déterminer ma fonction de répartition. Oups. Je vais remettre ma barre quand même, sinon on va s'y perdre. Donc tout simplement, ma fonction de répartition, elle vaut 0 si x plus petit que ln de 2, ce qui est tout à fait logique, hein, si je refais des petits dessins pour expliquer une autre fois ça. Mais si j'essaye de tracer une fonction f qui serait nulle, jusqu'en ln de 2 ici et qui ensuite fait un graphe comme ça, clairement si ça c'est petit f, clairement la fonction de répartition associée si je fais son trace, son graphique en dessous, c'est forcément une fonction nulle juste là qui après fait une rupture de pente et croît tout doucement jusque là. Donc c'est tout à fait normal que j'obtienne fy qui est nul si x est plus petit que ln de 2. Et de l'autre côté, ça vaut, il me reste un calcul d'intégrale à faire, ça fait l'intégrale de ln de 2 jusqu'à x de 1 sur racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de t
dt si x est plus grand que ln de 2. Ah, donc il me reste à primitiver ça, c'est pas très très dur à primitiver, ça fait 0 si x est plus petit que ln de 2. Et ça, ça se primitive, bah, le 1 sur racine de 2, je peux le sortir, et il me reste plus qu'une exponentielle qui se primitive en exponentielle de moins 1 demi de t sur moins 1 demi, à prendre entre x et ln de 2 en borne du bas. Alors, il faut juste réécrire les choses un peu proprement, mais on va s'en sortir. Je passe tout le reste là de ce qui ne sert plus. Mais on va trouver l'expression sans la moindre difficulté. Alors plutôt que de réécrire mes accolades à chaque fois pour le reste du calcul, je vais tout simplement juste me concentrer sur le calcul qui m'intéresse, donc celui-là, 1 sur racine de 2, exponentielle de moins 1 demi de t sur moins 1 demi à prendre entre x et ln de 2. Ça va me faire tout simplement tout ça. Je peux le réécrire comme du. Je vais avoir du. En fait, la constante moins 1 demi, je peux la sortir. Ça va me faire un moins 2 sur racine de 2 exponentielle de moins 1,5 à prendre entre x et ln de 2. Donc ça, ça va devenir tout simplement du moins. Bah, je peux mettre le racine de 2 en haut, en fait, 2 sur racine de 2 se fait racine de 2. Et derrière, je vais me retrouver avec de l'exponentielle de moins 1,5 de x et moins exponentielle de moins 1,5 de ln de 2. Que je vais réécrire encore un tout petit peu différemment, ça va faire du racine de 2, je vais rentrer le moins à l'intérieur pour inverser le signe, et je vais réécrire que ça c'est du exponentiel de ln de 2 puissance moins 1 demi, et je vais garder mon exponentiel de moins 1 demi de x qui est pas méchant du tout, et ça, ça va me faire du racine de 2. Alors exponentiel de ln de 2, ça fait du 2 puissance moins 1 demi moins exponentielle de moins 1 demi de x. Là maintenant je vais développer ma parenthèse parce que ça fait du racine de 2, le 2 puissance moins 1 demi, ça fait du racine de 2 au numérateur et je me retrouve avec du moins racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de x. Donc si je simplifie bien ça, ça fait ceci. Ah. Voilà pour mon calcul de ma fonction de répartition. Que je vais écrire proprement au final là-haut. Et comme ça, on a un calcul bien propre pour faire l'autre derrière, même s'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, fy de x, elle vaut 0 si x plus petit que ln de 2, et elle vaut 1 moins racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de x si x strictement plus grand que ln de 2. Alors juste pourquoi je me suis embêté à finir tous ces calculs, c'était pour faire apparaître ce 1. Pourquoi? Parce qu'il était important que je vérifie que j'ai pas d'erreur dans mes calculs pour être sûr que j'ai bien obtenu une fonction qui tende vers 1 en plus l'infini. Sinon, c'est que j'avais clairement une erreur dans ma fonction de répartition. Il n'était pas possible d'avoir une fonction qui tendait vers autre chose que 1 en plus l'infini. Donc c'est pour ça que je me suis embêté à détailler tous mes calculs d'intégrale là. C'était pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur dans ma primitive et dans mes calculs intermédiaires, pour être sûr que j'ai bien quelque chose qui tend vers 1 en plus l'infini. Et qui est bien continu en ln de 2, ce qui pose aucun problème. Voilà pour ce calcul de primitive et cette fonction de répartition par cette fameuse méthode 2. Alors. Ouais, il reste moins de 5 minutes pour finir le cours. Je vais peut-être déborder de 1 ou 2 minutes, là, on va voir, tant pis. Si je reviens à la méthode 1, tout simplement, la méthode 1,
J'avais obtenu que fy de x était fx d'exponentielle x, mais je n'avais pas fx. Donc il fallait que je détermine fx. Fx de x, encore une fois, c'était l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt, avec ma fonction petit f qui changeait en 2. Donc encore une fois, c'était soit l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt si x était plus petit que 2, et c'était l'intégrale de moins l'infini à 2 de 0 dt plus l'intégrale de 2 à x de la densité qu'il y avait, qui était du 1 sur t racine de 2t dt, si x était plus grand que 2i. Juste, j'ai un doute, il faut que je reprenne mon exo, il est où? Le 2, il était inclus, donc c'est dans l'autre sens les inégalités si je veux faire un truc propre. On verra, mais si je veux faire un truc propre, c'était un strict ici, hop, et c'était un large ici. Ce qui change pas grand-chose, hein. Donc j'ai plus qu'à calculer ça. Ah, donc ça vaut clairement 0 si x plus petit que 2. Et ça vaut clairement l'intégrale de 2 à x de 1 sur t racine de 2t dt si x est supérieur ou égal à 2. Je vais faire le calcul de cette intégrale. Comment je vais la calculer, cette intégrale? Bah, je vais plutôt écrire tout simplement que ça, c'est du racine de 2, et je me retrouve avec du t puissance 1 fois t puissance 1 demi au dénominateur. Donc ça, ça fait du 1 sur racine de 2 intégrale de 2 à x de 1 sur t puissance 3 demi dt. Encore une fois, je veux que vous ayez tous le réflexe pour primitiver ça. Ok, François, t'es le seul, les autres, ça va? Ça fait du t puissance moins 3 demi dt. Ça va, Camélia? Ok, merci. Et donc, il faut savoir primitiver ces puissances. Hein. Ça fait du t puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. À prendre entre 2 et x. Ah. Donc du moins 3 demi plus 1, ça fait du moins 1 demi sur moins 1 demi à prendre entre x et 2. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, ça me fait du moins 2 sur racine de 2. J'ai à peu près les mêmes calculs forcément qui arrivent. T puissance moins 1 demi à prendre entre x et 2. Je vais gagner un tout petit peu de temps, c'est juste parce qu'on manque de temps. Je vous laisse mener ces calculs, ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Mais je vous assure que ça va nous mener à du 1 à moins racine de 2 sur x. Je sais que j'ai été un tout petit peu rapide là sur la dernière étape. Je vous laisse la vérifier. Je vous assure que ça fait ça. C'est juste pour pouvoir finir proprement mon exo. On obtient que donc que la fonction fx de x, ça vaut 0 si x est plus petit strictement que 2, et ça vaut 1 moins racine de 2 sur x si x supérieur ou égal à 2. Et maintenant, on peut calculer fy sans la moindre difficulté. C'est comme tout à l'heure, il faut quand même faire attention à quelque chose. C'est que, donc on finira là-dessus, c'est que fy de x, ça valait fx d'exponentielle x. Donc pour savoir quelle expression utiliser, la verte ou la bleue ici, je dois positionner ça par rapport à l'exponentielle. Donc je dois résoudre si exponentielle x est strictement plus petit que 2, ce qui revient bien à notre x strictement plus petit que ln de 2, alors j'utilise l'expression
fy de x qui vaut 0, tout simplement, si x plus petit que ln de 2. Enfin, je vais peut-être pas mettre les accolades tout de suite, excusez-moi, on va peut-être juste reprendre ça à l'étude. Si ce qui équivaut à ça, fy de x, elle est égale à 0. Et donc dans l'autre cas, si exponentielle x est supérieur ou égal à 2, ce qui est équivalent à x supérieur ou égal à ln de 2, on obtient que fy de x, qui vaut dans ce cas-là fx d'exponentielle x, ça vaut du 1 moins racine de 2 x sur exponentielle x. Et ça, je peux le réécrire, 1 moins racine de 2 sur exponentielle x, je peux écrire ça 1 moins racine de 2, et ça me fait encore une fois du exponentiel de moins 1 demi de x. Donc on a bien trouvé au final, comme tout à l'heure, et ça va me permettre de conclure, que fy de x, elle vaut 0 si x plus petit que ln de 2. C'est plus rapide cette méthode. Oui, mais après, il faut encore dériver pour trouver la densité. Si tu trouves cette méthode plus rapide, c'est plutôt que en fait, ces calculs-là, ça va devenir des calculs classiques pour vous. Et donc, je pense qu'il y a un peu plus de calculs, mais que ces calculs, vous aurez plus l'habitude de les faire. Donc 0 si x plus petit que ln de 2 et 1 moins racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de x si x plus petit que ln de 2. Mais en gros, en finissant les calculs à ce moment-là, là je vais pouvoir arrêter là, parce que là on peut se rendre compte qu'on a obtenu la même densité, la même fonction de répartition que tout à l'heure. Donc ça montre bien que les transferts, on peut les faire dans un sens ou dans l'autre. Pareil ensuite, pour compléter la remarque de Pauline, oui, cette méthode-là, elle est peut-être plus rapide, mais elle est plus rapide si on vous demande la fonction de répartition. Si on ne vous demande que la densité et que prouver que c'est une variable à densité, en fait, si vous reprenez la méthode 2, il n'y a pas besoin de faire le point 3, il n'y a pas besoin de faire la primitive, donc il n'y a pas besoin de faire des calculs compliqués. Donc si jamais on ne vous demande que la densité de la nouvelle, la méthode 2 que j'ai présentée tout à l'heure permet d'aller plus vite. Mais ça dépendra des questions. C'est pour ça que, à mon avis, la semaine prochaine, on ne fera que des exos là-dessus ensemble en présentiel, mais avec des exos type concours, pour que je puisse vous montrer justement toutes les subtilités de ces